Voici une jeune bête qui récupère le ballon dans sa propre moitié de terrain et qui se met au régime de la moto. Voici Ruslan Umbar, 14 ans, le méga talent du FC Barcelone et il est incroyable. À Barcelone, il est connu comme le deuxième meilleur après Lamine Yamal. Et aujourd'hui, nous allons vous dire pourquoi les Catalans pourraient refuser de prendre Nico Williams à cause de ce monstre du football. Les gars, vous avez beaucoup aimé nos vidéos ces derniers temps, alors nous allons vous demander de voter pour la prochaine. Vous avez probablement déjà entendu parler de Tony Fernandez, 15 ans, le cousin de Gil Fernandez, et un autre talent prometteur de la Masia, qui est souvent mentionné par Hansi Flick lui-même. Si nous obtenons plus de 1000 likes sur cette vidéo, nous commencerons à travailler dessus tout de suite. Est-ce que nous avons un arrangement? C'est à vous de décider. Et nous revenons à Ruslan Umba. Ce type a récemment fait les gros titres dans les médias du monde entier. Tout cela parce que le Barcelona Cadette B a écrasé le Bayern Munich 8-1. Oui mes amis, vous avez bien entendu. Il s'agissait d'une douce revanche après la défaite 2.8 contre Munich, mais dans la mauvaise catégorie d'âge. Peut-être que cette nouvelle génération de monstres du football du Barça, ainsi que ceux qui sont déjà là et qui se dirigent vers l'équipe première, ramèneront bientôt le club à ses jours de gloire. En tout cas, Ruslan Umbar et l'équipe Cadette B semblent capables de gagner absolument tous les matchs, quel que soit l'adversaire. Cette glorieuse bataille contre les Bavarois s'est déroulée dans le cadre de la Porsche Football Cup, et notre héros se souviendra certainement longtemps de ce match. Tout comme les joueurs de l'équipe U14 de Munich. Ruslan, qui est aussi le capitaine de cette équipe, était dans tous ses états le jour où Barcelone et le Bayern se sont affrontés en demi-finale de l'épreuve. Il semblait habité par l'esprit de Hansi Flick. Avance et marque autant de buts que possible, ne t'arrête pas une seconde et tu réussiras. Quelque chose comme ça les amis. Ce qui s'ensuivit fut une performance très terrifique de Umbar, un triplé plus deux passes décisives. En fait, 5 des 8 buts ont été marqués avec l'aide de l'incontestable homme du match. Regardons-les de plus près. Le premier but a été marqué à la 8ème minute, alors que les Blaugrana étaient déjà en train de perdre leurs adversaires. Ruslan a reçu le ballon dans une zone favorable, mais les défenseurs ont réussi à bloquer l'espace pour un tir. Alors, Umba a utilisé ses talents de dribbleur et a trouvé un espace nécessaire dans le but. Bravo! Le deuxième but illustre la polyvalence du joueur. Dans ce clip, notre bête a pris le ballon en position d'avant-centre, a instantanément trouvé son équilibre et l'a placé dans le coin inférieur depuis l'extérieur de la surface. C'est un tir à la Léo Messi. L'écule adore ses démonstrations de caractère. D'ailleurs, laissez un like si vous êtes impressionné par les exploits de ce garçon. Le troisième but a été marqué après un sprint brillant et une aide de son partenaire. Ruslan n'avait plus qu'à envoyer le ballon dans le but vide, et c'est ce qu'il a fait. Puis, ce fut le tour des passes décisives. La première est arrivée après que Umba ait démontré pourquoi sa vitesse peut être comparée à celle de Super Sonic. Dans ce cas, Ruslan a remercié son coéquipier en lui faisant une passe décisive. Le dernier but de cette bataille épique a été marqué lors d'une contre-attaque rapide. À première vue, tout semble assez ordinaire, mais nous pouvons vous assurer que ce n'est pas le cas. Ruslan Umbar est un mélange de vitesse explosive, d'un physique impressionnant pour un garçon de 14 ans, et de la mentalité des meilleurs attaquants du monde. Vous comprenez maintenant pourquoi nous devrions apprendre à mieux connaître Ruslan pour nous faire une idée plus précise du type de monstre qu'il est en fait. Il est intéressant de noter que le jeune homme a marqué le premier but du pied droit, tandis que le deuxième et le troisième ont été marqués du pied gauche. Comme vous pouvez le constater, Ruslan Umba est un footballeur à deux pieds. Il joue aussi bien du pied droit que du pied gauche, ce qui fait de lui un attaquant polyvalent capable de jouer plusieurs rôles, sur les ailes offensives et dans la zone centrale, où il peut être à la fois avant-centre, deuxième attaquant et numéro 10. Un milieu de terrain offensif central n'est pas un joueur moyen, mais un véritable trésor. Le match contre le Bayern Munich a démontré le potentiel fou du joueur, mais la finale contre le Borussia Mönchengladbach s'est avérée tout aussi épique en raison d'un parcours épique en solitaire. À la 24e minute du duel, le Barça menait 1-2, mais soudain, Ruslan a récupéré le ballon dans sa propre moitié de terrain. Et c'est alors que s'est produite cette course folle que nous venons de vous montrer. Tout au long de cette course, Umba a échappé à deux joueurs des fouls. Je ne vais pas m'étendre, regardez sa vitesse et sa puissance physique en action est tout simplement époustouflant. Ce garçon est une véritable machine. Dans l'académie de Barcelone, nous n'avons pas vu de course aussi exceptionnelle depuis l'époque de Lionel Messi. Peut-être, même Lamine Yamal n'était pas ce type de footballeur. Esprit, vitesse, force, tout est dans Ruslan Umba. Découvrez un autre angle de cette magnifique frappe. Mettons le son en direct pour que vous puissiez voir comment les gens rugissent pendant sa course. Le but mentionné a porté le score à 1-3 et a littéralement tué toute intrigue dans le match. Mönchengladbach ne s'est pas remis de ce coup dur, ce qui s'est traduit par une victoire 2-4 des Catalans. Ruslan et son équipe l'ont emporté. Sur le chemin de la finale, ils ont également battu les clubs suivants. Red Bull Salzburg 1-1, 4-1 au tir au but et Stuttgart 2-0.
Notre homme a terminé le tournoi avec d'excellents résultats pour un ailier. 4 buts et 3 passes décisives. Ruslan Ba a été de loin le joueur le plus influent et le plus impressionnant de l'équipe KDB qui a remporté la Porsche Cup 2024. L'ailier gauche est l'un des meilleurs talents actuels de toute l'académie et l'un de ceux qu'il faudra surveiller à l'avenir. Voilà comment les experts de la Masia décrivent le potentiel actuel du joueur. Il faut dire que Ruslan a commencé cette saison avec des résultats encore plus spectaculaires que la précédente, qui était la meilleure de sa carrière à la Masia jusqu'à présent. L'année dernière, Mba et son équipe ont remporté la Madrid Cup, où notre petit monstre a été élu MVP de la compétition. En outre, il a fait ses débuts avec la sélection espagnole dès moins de 15 ans et a marqué 6 buts lors du tournoi de la Mallorca Cup. Ensuite, le garçon a réussi à jouer pour l'équipe cadette A et a marqué 2 buts tout de suite. Nous parlons de la tranche d'âge U16. Au cours de la saison régulière avec Infantila, il a inscrit 15 buts et délivré 3 passes décisives. Les experts en football de la Masia notent que même Lamine Yamal et Guilherme Fernandez n'ont pas progressé aussi rapidement à l'âge de 14 ans. Le style de jeu de Ruslan ressemble à celui de Leroy Sané du Bayern Munich et de Savio de Manchester City. Il existe d'ailleurs un profil similaire à Barcelone. À l'heure actuelle, Ruslan évoque des analogies avec Rafinha. Vous n'êtes pas d'accord? Dans le football de jeunes à 7 contre 7, les entraîneurs utilisaient MBH comme avant-centre. Il a donc un instinct de buteur très développé et se concentre toujours sur le but de l'adversaire. Ruslan, 14 ans, a déjà été appelé dans l'équipe espagnole dès moins de 16 ans, ce qui nous indique déjà que le garçon a tout simplement dépassé le niveau de ses pairs et qu'il est capable de rivaliser avec des joueurs qui ont 2 ans de plus que lui. À son jeune âge, 2 ans de différence représentent un avantage significatif, mais ce n'est pas un problème pour Mba. Cette bête peut affronter des joueurs de 17 et 18 ans, son physique et son développement lui permettent de le faire. Croyez-le ou non, mais le destin footballistique de Ruslan aurait pu prendre une tournure légèrement différente. Un autre club catalan, l'Espagnol, s'est battu pour recruter le jeune ailier. Mais c'est Albert Pujalcaide, l'un des principaux recruteurs de jeunes du Barça, qui convainc la famille de Mbash qu'il n'y a pas d'autre endroit que Barcelone. Et qui comprendrait mieux cela que Ruslan. Après tout, son père était lui aussi un joueur du Barça, même s'il jouait au football. Américain pour les Dragons de Barcelone, l'équipe qui participait autrefois à la NFL Europe et jouait à Montjuic. On peut dire que le sang blaugrana coule dans les veines de Ruslan. Quant aux Catalans, ils sont clairement investis dans l'avenir de Mba, puisqu'ils l'ont lié à un contrat jusqu'en 2026, le plus long contrat autorisé pour un joueur de moins de 18 ans. Espérons qu'il ne tardera pas à faire ses premiers pas en équipe première. Quoi qu'il en soit, mes amis, tirez vos propres conclusions sur Ruslan Mba. Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'un nouveau talent générationnel pour Barcelone, qui peut permettre au Blaugrana d'économiser au moins 58 millions d'euros. Pour rappel, il s'agit de la clause libératoire du contrat de Nico Williams de l'Athletic Bilbao. Le club envisage toujours de recruter l'ailier espagnol l'été prochain. De nombreuses personnes au sein de la structure de l'équipe espagnole parient sur le fait que dans 5-7 ans, la combinaison Lamine Yamal, Ruslan Mba sur les ailes offensives sera la plus terrifiante pour les adversaires et qu'avec ces deux-là, Barcelone dominera le football de haut niveau pendant 10 ans. Qui sait ce que la vie nous réserve, mais Ruslan Mba semble être un joueur unique qui peut faire du bruit dans l'équipe première dans 2 ans. Car, comme nous le savons, les meilleurs joueurs de la Masia font leur début dans l'équipe principale à l'âge de 16 ans, et parfois à l'âge de 15 ans. Kul, quelle note donneriez-vous à ce monstre barcelonais sur une échelle de 10 points? Écrivez-nous dans les commentaires ci-dessous. Nous vous rappelons que si nous obtenons plus de 1000 likes sur cette vidéo, vous pourrez faire la connaissance du prochain espoir de la Masia, Tony Fernandez, surnommé le Phil Foden de Barcelone. Les gars, nous avons également préparé une vidéo dédiée au nouvel Alfonso Davies et à l'Africain Lamine Yamal, deux joueurs ghanéens qui ont été recrutés par le Barça Athletic. Ne manquez pas de regarder la vidéo devant vous, ces gars-là en valent vraiment la peine. Un autre football était avec vous, nous regardons le football sous un angle différent. A bientôt, au revoir.